Eşref zaten senin kemter kulundur. Eşref zaten senin kemter kulundur. İlahi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par juste deux questions que des frères m'ont posées. Et en leur répondant, je réponds comme ça, tout le monde sait par rapport à la question. La première, est-ce que هل يجوز الصلاة على الكرسي؟ Est-ce que je peux faire la prière comme ça, sur une chaise? Ça, c'est la première. Et la seconde, ça concerne le zakat. Alors, est-ce que je peux faire la prière sur une chaise? Oui. Ah, voilà. Tu vois le frère que je me dis? À condition que tu te mets debout quand l'imam il est debout. Parce que le fait d'être debout fait salat, il n'a qu'un salat. Hein? Ok? Ça fait parmi des piliers de la salat, c'est d'être debout. Autrement dit, si tu ne peux pas te prosterner et mettre le visage par terre, ok, tu te mets debout, mais après, quand l'imam il fait recours, toi tu fais recours avec lui, et après, quand tu ne peux pas, tu te mets sur la chaise. Mais tu ne restes pas tout le temps sur la chaise. Ok? Bien sûr, sauf si tu ne peux pas tenir sur tes jambes, ça c'est autre chose. Ok? Mais sachez que celui qui fait la prière sur une chaise assise, il a moitié moins de hajar, de hasanat, que celui qui reste debout. Vous le savez ça? Hein? Voilà. Alors, il y a ça. La deuxième question concerne la zakat. Il y a un frère qui pose la question, il dit, est-ce que, en sortant la zakat, il a 3 ou 4 000 euros de zakat à sortir, est-ce que je peux payer le hajj à quelqu'un? Je veux sortir ma zakat, et je sais qu'il y a un frère qui n'a pas d'argent, est-ce que je peux lui payer le hajj? Et je lui dis, voilà, c'est ma zakat, et donc il va le hajj, je lui paye le hajj avec. Vous n'avez pas compris la question? Si personne de proche de lui, il a le besoin. Non, c'est pas ça. Il a des sous, il doit payer quelqu'un. Voilà, c'est le frère, il a bien résumé. Est-ce que je peux utiliser ma zakat? Alors, moi je dois sortir 4 000 euros, toi t'es pauvre. Je te dis, viens, toi t'as jamais fait le hajj, je te paye le hajj. Ok? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. Zakat? Oui. Bah non. Non. Comment? Non. Zakat, écoutez bien, Zakat, haqqul faqir fi mali. Haqqul faqir fi mali ana ou la fi mali. Moi j'ai de l'argent, je dois sortir 1 000 euros, 2 000 euros de zakat. Les 2 000 euros, ils ne m'appartiennent pas. C'est al faqir. Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis un droit sur mon argent, ce sont ces 2000 euros. Je lui donne et lui il fait ce qu'il veut avec. C'est pas à moi de lui dire je t'achète des habits ou je t'envoie le hajj ou je te paye un voyage. Non. C'est comme, si tu veux, ton salaire. Tu reçois un salaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Quand tu travailles, tu reçois un salaire. Le patron ne te dit pas tu dois faire ceci ou faire cela. Non, il te donne ton salaire et toi tu fais ce que tu veux. Zakat, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas le droit de t'assarafir, c'est-à-dire de dire ce que tu dois faire, fais zakat, hein, pour le pauvre. Non, tu lui donnes et c'est lui qui décide. Ok les frères? Oui, voilà. Alors, le dernier rappel, il y a les croix, avant d'entamer le cours. De Arajulun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qala ya Rasulallah, la daratni aqrab al-bariha.
il y a un animal qui m'a piqué. Attrape, c'est scorpion, ouais, si vous voulez. Ouais. Scorpion, bon, allez. Un scorpion m'a piqué hier soir. قال هل قلت حين تمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فإنه لا يضرك شيء. Donc quand tu te lèves le matin, après salat al-subh, tu fais l'adhiya, tu fais les invocations, et parmi les invocations il y a ça. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Et le soir, بعد صلاة المغرب tu dis la même chose. لا يضرك شيء بصريح الحديث, صريح الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. Prophète il te dit, si tu dis ça le matin, tu dis ça le soir, rien ne peut t'arriver. Donc n'oubliez pas les frères. OK? Mais ça, avec les invocations, il y a pas Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez, on avait entamé de parler sur Salat, et on a expliqué le Fatiha. Et on a commencé par expliquer le Fatiha. On a dit que Salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis en obligation quand il a convoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le septième ciel. Donc ça nous donne aussi une image pour nous que la Salat, elle doit aussi transporter ton âme où? Il faut le septième ciel. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, c'est un élève de Ibn Taymiyyah. C'est quelqu'un qui a vécu aux alentours de l'an 1100-1200 à peu près, Fisham. C'est quelqu'un qui était, c'était un érudit, quelqu'un qui était mais vraiment très savant, érudit. C'est un être humain, hein. Il s'est trompé, il y a des ulama qui l'ont dit, il s'est trompé là, bon. Mais on dit que Ibn al-Qayyim, quand il est décédé, ses enfants sont restés des années avant de recevoir des livres. Des années. Donc il a fait. Ibn al-Qayyim dit As-salatu, regardez comment il explique ça. As-salatu, shaklun, wa ruhun, wa athar. As-salat, se traduit, c'est une gestuelle. Shaklun, wa ruhun, une âme, wa athar, et des conséquences. Shaklun, fait salat, la gestuelle, c'est quoi? C'est quand tu te mets debout, tu lèves les mains, tu mets ça comme ça, tu voilà, ça c'est chèque, la façon de faire, ok? Comme nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salat, on a dit, c'est trois choses. Il y a l'âme de la salat. L'âme de la salat, c'est quoi? C'est ta concentration pendant la salat. Khushu' fi salat. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa laka min salatika illa ma'alid. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la récompense de ta salat là où ton esprit était présent. Il ne te donne pas salat parce que dit en quatre. Vous connaissez le hadith quand quelqu'un est rentré à la mosquée et puis il est venu, il a fait 4 rakats comme ça, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, reviens, fais la prière. Et irja' fa salli fa innaka lam tusalli. Et il revient, pareil, il refait 4 nakarat comme ça, et ça lui dit, reviens, refais ta prière parce que tu n'as pas fait la prière. Et là, il lui dit, alors moi je ne sais pas faire, alors montre-moi. Et le hadith Tawi, hein, qu'on connaît sur comment faire la prière. Donc, recherche nous, vas-y. Donc, nous avons dit que le salat, chaque wa ruhun wa athar. Ruh, c'est la présence de ton esprit, fait salat. La présence de ton esprit, fait salat. C'est quand tu comprends ce que tu es en train de lire. Et comprendre ce que tu es en train de lire, ça commence déjà par le Fatiha. Comprendre que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendre que ça, c'est ta liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le khushu' il vient de là. Le khushu' c'est un travail que tu fais sur toi. Et c'est un travail de longue haleine. Ça ne vient pas en un jour, les frères. Ce n'est pas en un jour que tu peux atteindre le khushu'. On va voir tout à l'heure, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, le manazil. Comment les gens sont différents. Ibn al-Qayyim dit justement, dans une même rangée, on fait la prière là à côté de l'autre, mais il y en a un qui est là, il y en a un qui est vraiment au ciel, son âme elle vogue là-haut, et l'autre il est vraiment, il est resté par terre, il est resté sur terre. Pourquoi? Il est accroché encore à ses problèmes de la vie courante. Les conséquences de la salat, c'est quoi? Les conséquences de la salat, c'est la sérénité qui descend sur toi. Tu as vu que tu fais la prière,
après la prière, tu te sens bien. Pourquoi ? Parce que tu viens de prendre une dose de l'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Khaliq al-Kawn. Tu te sens très bien. Quand tu as fait la prière, il y a une sérénité qui descend sur toi. Mais il n'y a pas que ça. Les conséquences de la salat, Allah subhanahu wa ta'ala قول wa aqim al-salat, inna al-salata tu ma uhiya ilayka min al-kitab, surat al-Ankabut. Récite ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé dans le livre. Wa aqimis salat. Accomplis la salat. Inna salata tanha 'an al-fahsha'i wal-munkar. Certes, la prière, elle t'évite. Hein, c'est un rempart entre toi et les turpitudes et entre toi et le blâmable. Mais remarquez comment Allah subhanahu wa ta'ala dit inna salata tanha. C'est comme si je dis le frère, il vous empêche. Le frère, c'est un être vivant. As-salat, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha, comme haja hayya, c'est quelque chose de vivant qui t'empêche de faire le mal, qui t'empêche de faire les turpitudes ou là de faire le blâmable. Mais vous allez me dire, on connaît des gens qui font la prière, mais qui font les turpitudes, qui font le blâmable. C'est vrai ou pas? C'est vrai, d'accord. Eh bien, ils ne font pas la prière. Ils font la gestuelle. Vous voyez la différence, les frères? Donc, quand tu vois quelqu'un qui fait la prière, et ses comportements, son comportement ne correspond pas à ce que devrait lui faire la prière, à ce que la conséquence, à ce que la prière devrait lui faire subir comme conséquence, c'est qu'il ne fait pas la prière. Il fait juste une gestuelle. Il vient, il fait Allahu Akbar, mais son esprit, son âme, son cœur n'est pas là. Sachez-le. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولا تطع كل حلاف مهين ne crois pas chaque personne qui jure à chaque instant. Il dit sur les munafiqin ittakhadhu aymanahum junna, ils ont pris leur serment comme bouclier. يحلفون لكم ليرضوكم, ils vont vous jurer pour vous satisfaire. Quand Allah سبحانه وتعالى nous dit de ça de munafiqin, tu comprends quoi? Tu comprends que si tu as quelqu'un avec toi dans ton entourage qui jure beaucoup, et sache que c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un hypocrite. Allez, c'est pas moi qui le dis, le Coran. Sache le Coran. C'est ça le nour. Un nour, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une lumière qui va te permettre. Mon yettaqillah et jallahu. La, Furqan. Et moi, je suis en من يتق الله جل وعلا فرقان الفرقان هو شنو الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل فرقان في الفرنسي c'est un comment on appelle ça le discernement le فرقان c'est le discernement c'est ce qui te permet de discerner entre le mal et le bien donc toi avec le Coran Allah سبحانه وتعالى te permet de discerner entre le mal et le bien quand tu vois quelqu'un qui jure beaucoup أعرض على القرآن tout à l'heure en venant avec le frère on discutait il y a un groupe à Marseille, qui demande un terrain pour construire une mosquée. L'arrondissement à côté, on leur a donné le terrain, et eux, ça fait 5 ans qu'ils se battent, ils n'ont pas de terrain. Alors, quel est le problème? Vous connaissez l'histoire, Sayyidina Moussa, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'exauce pas ses vœux. Il dit, ya Moussa, parmi vous, il y a quelqu'un qui fait le péché. C'est ça, hein? Parmi vous, il y a quelqu'un qui fait le péché. Qu'il se repente. Moussa, il fait un discours. Il dit, il y a parmi nous quelqu'un qui fait le péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas tant que celui-là ne s'est pas repenti. Moussa a dit, ya Rabbi, man huwa, chkoun, qui c'est? Il dit, ya Moussa, lam afdahu, mais lam afdahu hina kana mudhniman. Je ne l'ai pas dévoilé quand il faisait le péché. Et je le dévoile quand il s'est repenti? Non, je ne vais pas le dévoiler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Donc, quand vous êtes avec un groupe, Vijamar, et vous voyez que ça tarde à venir, les frères à côté, ils ont eu. Les frères à côté, ils ont eu. Les frères là-bas, ils ont eu. Et nous, on n'a pas eu. Ça fait 5 ans. J'ai dit, Achir, il faut regarder autour de vous. Il y a un problème entre vous. Al-Qulub, mouch mutasawiya. Al-Qulub, laissat mutasawiya. Et arrête à l'Qur'an. Quand tu as un problème, arrête à l'Qur'an. Et tu verras. Hada kalam Allah. Ok, mes frères, donc on a dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé la première ayah fi surat al-Fatiha
mais Alhamd. Et on avait dit, on avait expliqué que Sayyidina Adam, quand il a été créé d'argile, quand Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé la vie, une tâche, Sayyidina Adam, il est devenu vigoureux comme ça, et puis il a éternué. Et le premier mot qu'il a dit, c'était quoi? Alhamdulillah. فقالت له الملائكة les anges lui ont dit يرحمك الله. Donc alhamdulillah هي أول كلمة قالها سيدنا آدم. Et pourquoi nous on dit alhamdulillah? On l'avait expliqué la semaine dernière. On dit alhamdulillah لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا. S'il avait voulu Allah سبحانه وتعالى, aucun d'entre nous ne serait pas là aujourd'hui. Il aurait créé d'autres gens. لكن c'est vraiment mesurez ça dans votre tête les frères. أنشأنا من العدم. Moi j'existais pas il y a quelques années en arrière, j'existais pas. C'est Allah سبحانه وتعالى qui m'a créé. Et chacun de vous, c'est pareil. خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَهَدَانَا. Al-Hidayah, c'est le fait d'être là, les frères. Al-Hidayah, c'est le fait d'avoir fait Salat al-Maghrib à l'heure. Bil-Jama'a, ça min hidayatillahi subhanahu wa ta'ala. Wal-Islamu laka. Le fait que tu comprennes que Allah subhanahu wa ta'ala demande de toi que tu sois abd, que tu sois un serviteur. Ça min al-Hidayah. Rien que pour ça, tu dis Alhamdulillah. Tu dis Alhamdulillah. Alors tu dis Alhamdulillah. Pour énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Vous ne pouvez jamais comptabiliser les bienfaits d'Allah sur vous. Jamais. Je vous ai raconté, je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire d'une personne dans un pays musulman, il a atteint 70 ans. Et puis, il a eu une rétention urinaire. Il ne pouvait plus uriner à chaque fois. Donc, il a eu très mal. Il va voir le médecin, il dit, il faut absolument qu'on fasse une opération. Donc il fait une opération, et il guérit, hein, il redevient, si vous voulez, normal. Il peut uriner de nouveau. Le médecin lui présente la facture. Il lui dit, le gars commence à pleurer. Le médecin lui dit, si c'est trop cher, on peut regarder la facture, on peut la baisser. Il dit, non, c'est pas la facture chère qui me chagrine. Il dit, ce qui me chagrine, c'est le fait que celui qui m'a donné la possibilité d'uriner pendant 70 ans et qui ne m'a jamais donné de facture. Qui ne m'a jamais présenté de facture. En fait, Ni'matullah, elle est en nous, mais on ne se rend même pas compte, les frères. On ne se rend même pas compte. Le fait de marcher, le fait d'être debout, le fait de respirer, le fait d'être debout, le fait d'être en bonne santé, c'est « Wa in ta'uddu ni'matallah ila tuhsuha ». Et on avait dit, les frères aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit hein, que le kafir, yawm al-qiyamah, il souhaiterait être poussière. Pourquoi? L'anna al-kafir, le mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé. Il lui a donné. Il a descendu les bienfaits sur lui. Okay? Mais il n'a pas eu la guidance. Ma'alouche l'hidayah. Donc il vit cette vie. Il vit une vie d'animal, c'est-à-dire il mange, il boit, hein, il vit, il mange. Et puis le jour du jugement, devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que t'as fait? Ben j'ai ramassé de l'argent. Oui, l'argent là, c'est plus l'argent. Qu'est-ce que t'as fait? C'est fini. Donc l'insan yahmad Allah subhanahu wa ta'ala sur tous les bienfaits. Et d'ailleurs, même si on penserait tout le temps hein, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra pas. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé de faire qira'at al-fatiha de le remercier minimum 17 fois par jour. Il y avait 17 fois par jour que tu dis Alhamdulillah et Rabbil Alam. Et on était passé à Rabbil Alamin, al-Rububiyya. C'est le fait d'entretenir. On avait expliqué ça. Allah subhanahu wa ta'ala, le maqal Muhammad, le premier verset, il a dit Iqra bismi Rabbika. Maqal iqra bismi Allah. Bismi Rabbika. Fi kalimat Rabbik ya Rabba. Et on avait dit que Wizarat al-Tarbiyya al-Ta'lim. Vous avez vu, on dit Wizarat al-Tarbiyya al-Ta'lim parce qu'il faut l'éducation avant de commencer à apprendre. Si tu n'as pas l'éducation, tu ne peux pas apprendre. Il te faut de l'éducation. Tout ce qui descend sur nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, on n'y pense pas. Prenez un exemple. Il y a par exemple un croissant là-bas qui est destiné au frère ici. Okay? Le croissant là-bas que le frère ici va manger, réfléchissez bien. Le croissant, c'est de la farine, et du sucre, et du beurre. C'est ça, hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait pousser le blé. Il y a un agriculteur quelque part en France ou ailleurs dans le monde qui a cultivé, hein, qui a labouré la terre, cultivé du blé. Il l'a ramassé,
il l'a donné, il l'a fait vendre à un meunier qui lui l'a transformé. Le meunier, il l'a envoyé dans une société qui l'a vendu à un boulanger. Le boulanger, il a pris la farine. Regardez, hein. Dans cette farine, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit que ça sera pour le frère depuis 50 millions d'années. Écoutez bien. Donc le boulanger va le prendre, il va transformer cette pâte, il va mettre du sucre, il va mettre du beurre, il va le mettre dans le four. Un des frères ici est allé acheter ses croissants qui étaient destinés au frère depuis 50 millions d'années. Regardez toute la chaîne qu'il y a derrière pour le frère. Et cet exemple, vous pouvez le prendre comme exemple pour tout ce que vous mangez, les frères. Tu manges une orange qui a été cueillie au Maroc ou en Espagne, mais elle était destinée à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle a fait naître cette orange sur l'arbre, le millième arbre dans un oranger en Espagne ou au Maroc, il était destiné aux frères ici. Là où l'esprit. Wa'alam, innama asabaka, ma kana li yukhti'ak. Ce qui te touche, Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'étais destiné. Wa ma akhta'aka, ma kana li yusibak. Et ce qui ne t'a pas atteint, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit qu'il te touchera moins. Donc là, on est Rabb al-Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. On avait expliqué Ar-Rahman, Ar-Rahman, l'eau qui déborde, hein, il déborde de miséricorde. Mais Rahim, bil mu'minin. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اثنين. J'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur. Deux choses. OK. إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين. وش يقول الله سبحانه وتعالى؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم. مجدني عبدي. مالك يوم الدين. أثنى علي عبدي. OK. مالك يوم الدين. On a dit le fait de savoir qui est Maliki Yawm al-Din, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle à chaque prière qui est Yawm al-Din. Pourquoi? Parce que c'est la base, ayyuhal ikhwa, de toute croyance, de notre croyance, nous les musulmans. Qu'est-ce qui fait la différence entre un musulman et un non-musulman? Un jour, il y a un savant, il y a quelqu'un qui commence à l'insulter. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit innama hiya sahifatuk. Ça, c'est ton livre à toi. Tu es en train de m'insulter, mais c'est toi qui es en train de rédiger ton livre que tu vas retrouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu vas retrouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais ce que tu veux. Le mal insan ya'lam an Allah subhanahu wa ta'ala, il sera là le jour du jugement dernier. D'abord, tartah, tu dis que s'il y a une injustice ici, je la prendrai là-bas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as peur. Tu ne fais pas n'importe quoi. Quand quelqu'un te dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », tu m'as volé, ok. Il est là. Soit tu payes ici, soit tu payes là-bas. Mais là-bas, tu payeras, c'est clair. Si tu as fait une injustice, tu payeras dans Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawm al-Din. Donc tu prends peur. Quand tu sais ça, « Al-Khawf wal-Jamal wal-Hubbu »« Rahman wa Karim » Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, Karim, tout ça. L'ulama qu'il dit « Ihna l'altafit » Tu te retournes, tu dis, puisque toi tu es beau et Allah, puisque tu es miséricordieux, puisque c'est toi le juge le jour du jugement, puisque c'est toi le juste, eh bien c'est toi que j'adore. C'est toi que je choisis comme Dieu. C'est toi que j'adore. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Et ça, qala al-ulama, qala hadha huwa as-sayru ila Allah. Kullu insanin fi dunya yasir. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Que tu le veuilles ou non, tu vas arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الإنسان, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'information. Tu vas peiner sur cette vie, dans cette vie. Tu vas peiner sur cette terre. Mais tu vas arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à toi de choisir ton chemin. Donc ton chemin, il sera comment? Et c'est là où on a dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Manazil. Manazil. Je vous ai ramené le livre, je vous le montrerai après. Nul qayyim dit, bi'idhnillah, Nul qayyim dit « Ma darijus salikin bayna manazil Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Aujourd'hui j'ai dit « Ya Allah, anta alladhi a'budu » C'est toi que j'adore. Alors je commence à être sincère avec moi-même. Je commence à être digne avec moi-même.
jusqu'à ce que j'atteins le degré de sincérité. Aujourd'hui, moi j'ai atteint le degré de sincérité. Mais peut-être qu'un frère à côté de moi ne l'a pas atteint. Ou là, peut-être que le frère à côté de moi, il a atteint le degré de sincérité, mais il est déjà dans un autre degré, celui de la véridicité, où moi j'y suis pas encore. Celui qui a atteint le degré plus haut que l'autre, il a déjà ce degré, mais moi j'ai pas atteint le degré supérieur. Et on vous a expliqué, je vous ai expliqué la semaine dernière, il y a les rois, comme la personne qui monte un immeuble. Celui qui est au premier étage, il a une vision. Mais celui qui est au cinquième étage, il a une autre vision. Il voit autre chose. Donc, « Ala qadri sayrika ila Allah »« Ala qadri taqarrubika min Allah » Allah subhanahu wa ta'ala yiftah lak al-anwar. « Iyaka na'budu » Plus toi, tu te rapproches d'Allah, plus tu prends un degré supérieur, plus tu vois la vie différemment. Et c'est pour ça que quand tu vois quelqu'un « qarib min Allah » Quand tu vois « alim » Tu dis « Subhanallah, t'as vu la vision qu'il a. T'as vu comment il est saint. T'as vu comment il voit les choses différemment. Et pas comme nous. » Et là, pourquoi? Parce que la personne, elle a atteint des degrés où Allah subhanahu wa ta'ala al-ahyun. Il ne voit plus avec les yeux, il voit avec le basira. Subhanallah. Donc, moi j'étais au premier étage. Si je fais l'effort, et c'est ça, elle m'a nazi, tantaqi ilayha. Donc il faut faire l'effort, djihad. C'est un effort que je fais. Le hadith al-Qudusi, le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ibn Abn Abbas, il dit, « Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. » Je vais t'apprendre des mots, kalimat. « Wa'alamu anna kalimat inda Allah, lima Allah subhanahu wa ta'ala kul kalimat fil Qur'an, ce sont des épreuves. « Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. » Kalimatullah, ce sont des épreuves. Ni wa'alimuka kalimat. Ihfadillah, yahfadk. Ihfadillah, yahfadk. Ihfadillah, tajidhu tujahak. Idha sa'alta, fas'alillah. Quand tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tahdi rasak, comme on dit. Tu fais attention tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège. Idha hafizta Allah, tajidhu tujahak. Tu vas le trouver à côté de toi. À chaque fois que tu le demandes, il sera là. Idha sa'alta, fas'alillah. Wa idha sta'anta, fasta'in billah. Wa'alam. Anna l'ummata law ijtama'at. Si la nation entière, toute l'humanité, elle se réunit pour te faire du mal, ils ne te feront du mal que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Et si l'humanité entière, elle se réunit pour te faire du bien, ils ne te feront de bien que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Jaffati l'aqlam, matawiyati l'suhuf. Les écritures sont finies. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit chacun de nous son destin. Ya ghulam, u'allimuka kalimat. Wa rasul Allah subhanahu wa ta'ala qul wa la zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Fa idha ahbabtuhu asbahtu yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa 'aynahu allati yara biha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'être humain, l'abdi, le serviteur. Souvenez-vous, quand on a dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram min al-masjid al-aqsa » Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Isra, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi » Pourquoi il a dit « abdihi » Pourquoi il n'a pas dit « rasoulihi » Pourquoi il n'a pas dit « bi Muhammad » Pourquoi il n'a pas dit « bi nabiyihi » Allah a dit « abd » Pour deux choses, ayoua l'ikhwan. L'oula, anna l'abdiya, la servitude, tout le monde ne la comprend pas. Je vous donne un exemple. Voyez un dictateur. Il oublie qu'il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner l'exemple comme quoi nous sommes tous entre les mains d'Allah. Est-ce que quelqu'un d'entre nous là a choisi où est-ce qu'il est? Personne. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut choisir où est-ce qu'il mourra? Personne. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il peut arrêter les battements de son cœur? Non. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, là, quand il se réveille le matin, il se regarde dans un miroir, il dit non, aujourd'hui, mon visage, tu t'arrêtes. Tu restes comme ça, tu ne transformes pas. Tu figes, ouais. Quelqu'un d'entre nous peut faire ça? Non, on ne peut pas. Pourquoi?
Parce que parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous possède. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a compris. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'Anbiya, innahu kana abdan shakura, quand il parle de Nuh. L'Anbiya, ils ont compris ça. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, abdun lillah, il a compris ça. Donc la nuit se réveillait. Khadija, Aïcha, t'coulou, ya Rasulallah, c'est. Yahni tenait Allah, tu as fait la prière, tout ça, ça suffit. Khala fait la cour, abdan shakura. Je ne dois pas le remercier avec tout ce qu'il m'a donné. Il m'a élevé. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود هو أعلى درجة في الجنة. أسمع دونك لما تعرف بأنك عبد الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأنه عبد الله تعالى قال أسلم بعبده. فتزم شوز وزي فيس كده.